Il y a eu Tom Cruise, il y a eu Cameron Diaz. Et maintenant, moi, je vais pouvoir la conduire au circuit de Formule 1. Un petit peu de squeak avec le cheveu. Oui. Un animal. Est-ce que t'entends ce bruit en main? Pourquoi tu dormir comme ça? Bah, j'aime pas devoir faire mon lit tous les jours, donc en fait je dors comme ça. Je mets ça là-bas et je suis prêt. Ça va? Oui. Merci. Ça fait longtemps que t'es chez moi? Alors, est-ce que t'es prêt pour aujourd'hui, Cole? D'accord. Non, ça répond pas à la question, mais aujourd'hui ça va être une journée incroyable. Alors aujourd'hui, c'est une journée qui est basée autour de ma Kia. Alors, moi, je suis déjà prêt, j'ai dormi préparé, toi aussi, t'as l'air assez préparé. Oui. On descend la voiture? Naturellement. Pourquoi t'es en train de filmer maintenant? Hein, Cole? Parce que le intro, le bam. Ah, oui, pardon. C'est pas... Alors, aujourd'hui, on parle de la Kia. La Kia Stinger GTS, ça fait un an et demi que j'ai cette voiture. Pas ma voiture, voiture de prêt de la part de Kia. Énorme merci à eux. Du coup, faut qu'on commence à parler peut-être d'une potentielle remplaçante. Mais aussi, faut qu'on réalise à quel point cette voiture, elle était incroyable. Alors, il y a quelques jours, pendant que j'étais en retraite dans la voiture, j'étais coincé, t'as peut-être vu dans le dernier vlog, voici un clip. Oh, c'est... Oh, tu es ici. Oh, non, 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 la caméra. Je suis allé, moi-même, Cole, Talia, ma copine et quelqu'un qui s'appelle Andy. On est allé chercher les potentielles remplaçantes de la Kia. Ah, Seb, ce n'est pas possible, non. Stop, arrête. Tu es 9 ans, ce n'est pas possible. J'ai 22 ans. Ah, ok. Seb, où est le homarde? 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 Attendez, je vais où là? Je vais où là? C'est où? Rien, rien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de profiter et réaliser à quel point cette voiture a été incroyable parce que je l'ai vraiment adorée cette voiture. Et donc, on va partir. Ben, tu vas voir, on va faire quelque chose de très très stylé. Salut et bienvenue à Silverstone. On est ici pour cette raison. Comme tu peux voir, une Kia Stinger bien plus badass que la mienne. C'est la nouvelle GT420, la famille, et Silverstone, c'est le circuit de Formule 1 de l'Angleterre et c'est mon, un de mes circuits préférés. Et surtout, quand t'es à un circuit de Formule 1, c'est tout le temps assez spécial. Alors oui, la voici, la magnifique GT420. Alors c'est pas une voiture de production, rien, on va en parler plus quand on est dans la voiture. C'est une one-off pour le circuit et elle fait un bruit magique. On l'a entendu là faire quelques tours, c'est juste incroyable le bruit qu'elle fait. Mais je pense, vu que je connais pas très bien ce circuit, d'abord on devrait sortir avec une Kia Stinger GTS avec beaucoup de puissance quand même, 365 chevaux, mais un peu plus normal pour s'habituer au circuit. Ok? Ok. Ça va, Cole? Non. Pourquoi pas? Tu es dansé. Je suis dansé. Oui. J'ai l'impression. Il y a un M2. Ok, okay. J'ai l'impression qu'on a pris une semaine de pause et ton français il s'est détérioré, oh, enfin, oui. Il est moins bien qu'avant. Un petit peu, je mangeais le lait. J'en peux plus. Ça me fait bizarre de prendre ma propre, enfin c'est pas ma voiture que j'avais, mais la même voiture sur un circuit. Ça va me donner l'impression de connaître ma voiture beaucoup mieux. Alors sur circuit, toujours une super belle expérience, surtout pas longtemps après le Grand Prix de Formule 1 avec... Donc la Stinger,
comme tu peux entendre, on y va moyennement facile sur la voiture. Faut quand même bien l'expériencer. Et moi, je suis choqué. Pour quelqu'un qui a roulé dans cette voiture tous les jours, là, pendant un an et demi, je la connais très très bien comme voiture citadine en ville. Mais là, c'est une nouvelle expérience. La boîte de vitesse est très rapide. Et la voiture, en général, je suis surpris par à quel point elle accepte un peu ce comportement sur circuit. Je ne penserais pas qu'elle pourrait le faire. Mais c'est vrai que pour une voiture lourde comme ça, elle arrive très très bien à manœuvrer un circuit qui est assez technique et pas très facile comme Silverstone. Et les freins sont assez impressionnants. Donc la voiture, comme j'ai dit, elle est lourde quand même. Mais elle freine très très bien. Et elle part pas trop non plus en drift ou rien. Donc tu as des belles sensations à travers la voiture. Je suis surpris. Et je dis pas juste ça. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas une voiture de course. Mais tu peux la sentir quand même. Elle est vraiment pas mal. Pour une voiture que tu peux utiliser tous les jours. Bon, les pneus, je suis sûr que tu peux entendre, ils souffrent un petit peu quand même. Là, dès que les pneus commencent à se réchauffer un peu, les freins aussi, je commence à connaître le circuit un peu mieux. Là, on peut s'échauffer et commencer un peu à sentir vraiment ce qu'elle peut faire, cette voiture. Alors, niveau vitesse de pointe, donc 365 chevaux dans celle-ci. La voiture de base, il y en a plus dans la 420. Niveau vitesse de pointe, là, quand même, on fait près de 130 miles per hour. Donc, c'est des belles vitesses, quand même. Ce que je suis surpris, c'est que l'avant de la voiture a pas mal de grip. Donc, l'avant est pas trop en train de chasser devant toi. Et ça, c'est toujours sympa. Et que la boîte de vitesse, quand même, elle tient. Alors, moi, déjà, j'ai effectué le style, là, comme tu peux voir. Et on va rentrer dans la 420. Je vais essayer de t'en parler. Quand je suis dans la voiture, je connais pas le circuit, je connais pas la voiture, donc ça va pas être un truc, ça peut être de la Formule 1 quoi. Mais là tu peux voir que l'intérieur, ben, c'est extrêmement course, tout en carbone, la finition. Et après là les sièges extrêmement baquets, t'as rien à l'arrière, ils ont enlevé tous les sièges. Donc minimum de poids sur cette voiture, un peu plus de détails aérodynamiques, mais tout ça on va te montrer plus quand on rentre. Parce que là ben, je dois sortir dans la voiture, donc voilà, c'est parti. Je viens d'apprendre, je me cache parce qu'il y a un peu de vent, mais je viens d'apprendre que Cole apparemment est sorti dans une des voitures et je peux seulement imaginer ce qu'il est en train de dire. Je suis sûr que ça va être super intéressant et qu'on va apprendre plein de choses, mais
colle sur circuit avec une de ses Kia et une caméra. Voyons voir. Oh là là, le hérisson sont sur le sauna. Oui, avec le Apex et le champignon. Très bon. Un petit peu de squeak, mais les gars sont avec le cheveu. Oui. Alors maintenant, la plus puissante, la plus rare de toutes. En vrai, c'est la plus... Non, c'est peut-être pas la plus rare, mais... Si? Oui. Ah. La Kia Ceed de... je sais pas, ça doit être 2007, quelque chose comme ça. La voiture de Top Gear. Une des voitures les plus connues au monde. Et surtout, la voiture, je pense, il n'y a aucune voiture au monde que plus de gens connus ont conduit. Il y a eu Tom Cruise, il y a eu Cameron Diaz. Et maintenant, moi, je vais pouvoir la conduire au circuit de Formule 1 de l'Angleterre. Je pensais pas que j'allais faire ça dans ma vie, mais et on est là. On freine. Il n'y a pas beaucoup pour ce qui concerne les freins, il n'y a pas grand chose. Et là, dans une Kia Ceed, aucune idée de la puissance. Bon mec, je sais pas du tout. Donc la famille, je peux pas vous donner de... À mon avis, c'est pas un V12, je peux te dire ça. Et après, c'est une manuelle par contre. Et pour moi, quelqu'un qui a toujours regardé Top Gear, d'être en train de conduire cette voiture, c'est un peu comme un rêve. Honnêtement, je suis autant excité pour conduire celle-ci que les autres. Et donc ça fait tellement bizarre d'être dans cette voiture. Cameron Diaz a conduit, mon frère, Cameron Diaz. Oups. Là, je tourne le volant. Ça fait pas grand-chose, mais bon, ça marche quand même. Les freins, comme la voiture, elle pèse autant qu'une petite souris. En fait, il marche assez bien. Et franchement, la voiture, elle est mieux que tu penserais peut-être. Hein. J'ai payé des choses bizarres dans mon temps. Ça en est une. Mais je m'amuse tellement. Les voitures comme ça, je l'ai toujours dit, c'est les voitures les plus fun, je trouve, moi. C'est les voitures dans lesquelles je m'amuse le plus, honnêtement. C'est les voitures comme ça, tu peux t'amuser, tu prends pas trop au sérieux. Les autres, t'as un peu plus peur. Là, regarde, je suis à fond. Mon pied sur le plancher. Je crois que c'est une expression, je sais pas, tu connais moi et mon français. Et je m'éclate. Là on va arriver, il y a une Porsche devant. Mon but, c'est de dépasser la Porsche. C'est une Kia Ceed qui dépasse, j'arrive pas à parler, qui dépasse une Porsche. Eh bah dis donc, une sacrée journée. Merci énormément à Kia, comme j'ai dit. De rien. Comme j'ai dit avant, tu t'es amusé, Cole? Oui. Super. Je pense oui, mais le poulet n'est pas cuit. Le poulet n'est pas cuit? Oui. Pourquoi, je ne sais pas, mais oui. Mon Dieu, le mec fait du circuit et tu sors en parlant d'un poulet. Bref. Oui. J'ai appris à ignorer ça maintenant. Une journée incroyable, super de passer du temps sur le circuit. Et par contre, la seule chose, c'est ça m'a vraiment attristé. C'est vraiment, je suis pas content que la voiture part. En gros, parce que ça m'a vraiment fait respecter. Qu'est-ce que tu penses? Ben, je pense que je suis pas content qu'elle parte la voiture. Ça m'a fait respecter la voiture beaucoup plus. Moi non. Moi, je pense le supermarché mangeait beaucoup de salade, mais la forêt est une feu. Cole! Ça m'a fait respecter la Kia, je suis triste qu'elle parte cette voiture maintenant. Honnêtement, je leur ai demandé, est-ce que ça serait possible de juste racheter cette voiture? Est-ce qu'elle était vraiment parfaite pour ce qu'on utilisait? Mais bon, ça fait un an et demi que j'ai la voiture. Au bout d'un moment, je pense que si je vais prendre une nouvelle voiture, tant qu'à faire, changer. Ça sert à rien de racheter la même un peu. Donc, on va devoir voir quelle va être la remplaçante de la Kia Stinger GTS. Mais c'était une super belle manière de un peu dire au revoir à la voiture. Elle part dans pas très longtemps. Ciao, Cole. Donc, c'est triste, mais on a eu des sacrées expériences avec cette voiture. Et bon, chaque belle histoire a une fin. Quoi? Tu parles belle. Sam, qu'est-ce que c'est belle? Non, c'est pas belle, c'est belle histoire. Belle. Belle histoire. Belle. Ouais. Tu veux McDonald's? Ah, peut-être. Ouais. Pourquoi, Cole? Je ne sais pas. Je voudrais. On commence à se frapper beaucoup sur cette chaîne. Frapper, oui. Avec macchiato. Ah! Ah!
Non, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas... Non. Ok, arrête. Le poulet est ici. Doucement. Où est le poulet? Il arrive. Ok. Le poulet. Oui. Merci de rien. Oh mon dieu, je ne peux plus. Non, je suis Cole. S'il vous plaît, tu parles moi Cole, ne pas Dieu. Oui. Le français, mes petites mouches. En français, tu parles à tout à l'heure. En anglais, see you soon. Oui. Allez. Salut Seb. Salut, mais au revoir à la famille. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Cole, high five. Nous, on se verra. Le nouvel outro. Ah oui, un nouvel intro. Beaucoup d'énergie. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.